Hop, hop, hop. Maintenant que t'as cliqué sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. De 1, c'est gratuit. Et de 2, c'est bien pour la force. Et de 3, non, bah j'abuse. Hein. De juste 2, on va faire 1 et 2. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Une bonne vidéo. Une bonne vidéo. Attends, j'ai encore le jeu 60 secondes ou pas? Ah ouais. Allez, on envoie 60 secondes, les mecs. On va essayer de finir le jeu. Oh, qu'est-ce qu'elle fout la pizza sur le plafond? Vous êtes tellement aléatoires, les teams. Moi, je prends que le gars. Tsar Bomba, minimum. Minimum, c'est difficile. Allez, on commence l'aventure. Lampe torche. Hop, on jette. Ça. Un cadenas. Oula, je prends quelque chose d'inutile. Moi, ça va gré que des cadenas, ma gueule. La daronne. De la soupe. De l'eau. Oh putain, je suis dans la merde. Et mes enfants, ils sont où? Masque à gaz. La grosse connasse. Une hache. Ça, c'est complet, elle prend du poids. Il est où le fils? Et je suis en train de prier. Ok, de l'eau. Allez! Putain, mais. Putain, il est lourd de baiser. Ok, une fois à manger. De la soupe, de l'eau. Ah! Allez, je peux prendre un dernier truc. La radio! Ah! Je suis mort! Bon, on oublie. On recommence. Allez, c'est. Je suis dead. Ok, le daron. Ok, le daron. Petit. Allez, mais prends ta mère là! Ok, la petite. Hop. Bien évidemment, si tu prends la petite, faut prendre de la soupe aussi. À manger comme ça, que de la graille. De la carte. Hop. Le gun. Le gun mais prends ta mère! Allez, je suis sûr, j'ai le temps de prendre un dernier truc. La vie de ma mère, j'ai encore le temps. Là, de l'eau. Ah! Salem! 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 Saute! Saute! Yes! C'est bon, on a réussi. Oh, j'ai pris v'là les trucs. Oh, on a trop des activités, on va tellement s'amuser. Le masque à gaz. Aïe, on est dans la merde. Oh, pas de masque à gaz. Oh, juste un gun, ma gueule. On va faire avec, c'est pas grave. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins d'une. Tant qu'on y est tous ensemble, on peut y arriver. On a tous entendu que la soupe était bonne. Allez, je suis bourré. Ok, personne a soif. Le temps passe à reculons quand on est enfermé toute la journée. Donc on s'est dit, pourquoi pas jouer à un jeu? C'est marqué 1 à 11. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qu'elle a cette famille là? Les mecs, si je réussis, si, minimum 50 jours l'équipe. Je la barbe boost déjà, il a mis de l'huile d'orissa avant de sauter lui ou quoi? On a voulu dessiner une marelle, mais on n'avait pas. On avait de place que pour une case. Attends, mais c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? J'arrive pas à lire là. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. C'est la routine pour Ted, il vit sa meilleure vie. Oh, j'ai rajouté des phrases et tout. Rien de neuf pour Marie, ok. Timmy n'a pas besoin de grand-chose à part d'eau. Qui doit-on emporter? Lui? On l'envoie avec quoi? Oh, le gun. Ah non, on l'envoie avec la carte. Le gun, il a pas de balle, ça sert à rien. On va l'envoyer avec la carte pour pas y se perdre. Salem, tonton. À la prochaine. En plus, c'est celui qui consommait le plus, heureusement qu'il décale. Ted est sorti à l'abri, équipement, une carte. Il est dans la merde. Dolores va pas tenir longtemps sans eau. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir, il faut lui trouver quelque chose à boire. Et vite, Jimmy est en piteux état, il faut de l'eau. Tenez, buvez. Soit on est tous pris d'hallucinations, soit l'abri est réellement infecté d'insectes. C'est dans la tête. Vous êtes pris d'hallucinations, les mecs. C'est dans la tête. Quoi? C'est que cinquième jour là. Oh, voilà la tête qu'elle a. Ouais, elle ressemble à rien. On pensait pouvoir utiliser nos mains, nos pieds et tous nos autres membres pour se débarrasser de ces araignées, mais on les a sous-estimés. D'accord, vous avez rencontré juste Spider-Man là. Pendant le combat contre cette armée d'arachnides, l'une d'entre elles est parvenue à mordre Marie-Jeanne. On pensait que c'était rien, mais on réveillait les différentes. C'est vrai qu'elle est chelou là. C'est devenu Hulk. Oh, elle a même. L'araignée, elle a même fait un dégradé, ma gueule. Elle est tellement cookhead. Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passe aperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche. Attends, j'ai un problème là, j'arrive plus à lire là. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée, l'odeur infâme se dégageait. Ça a immédiatement alerté. On devrait sûrement aller inspecter. Oui, va voir. De toute façon, moi je reste bien tranquillement dans mon studio. Y'a rien qui a se passer. On est allé inspecter le trou, mais rien. Enfin, un vieux rat mort en essayant d'ouvrir la boîte de soupe. Le malheur fait le bonheur des uns et des autres. Ok, Nino. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ok, donc tout le monde a soif. Allez, on viscère, on viscère. Attends, mais pour l'instant, ils ont pas mangé. Dolores, c'est un petit creux. T'inquiète, Salem, tu peux tenir encore 2-3 jours. Les gars, j'ai envie de faire tirer Marie-Jeanne. On va la faire tirer. Elle est juste affamée, elle a pas soif, celle-là. Ok, on va la faire tirer. On va voir jusqu'à où la transformation elle a. Ça va le faire. Eh ben voilà, tout le monde tient. C'est carré, ça. Dolores n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle tiendra pas. Mais c'est qui Dolores déjà? Ah, c'est elle. Et elle veut quoi, Marie-Jeanne? Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant derrière la porte. Quand on a ouvert la porte le matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il n'y avait ni nom ni d'adresse. Mais on dirait bien qu'elle nous était destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Bien sûr, c'est juste qu'on nous a déposé une insertion tactique. Il se passe rien. Moi, j'ai confiance en l'humain. Oh!
Il est revenu! Oula, il est fatigué par contre. Dans 10 jours, Max, t'es mort. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition dehors peut-être prématurée. Non, non, non. Marie-Jeanne, tu t'as capté? Je pense que tu vas aller tester un peu. Tu vas partir, tu fais peur. Elle va bouffer le daron, c'est pour ça on va l'envoyer au charbon. Oh, le pistolet! Crotte de bique, notre fusil s'est cassé quand on a tiré sur la bête. Oh, vas-y, il nous arrive que des galères, ça. Ils veulent pas que je réussisse. Bon. Toi, Dolores, t'as eu? On va te donner à manger. Ok, Ted, on va te donner un petit peu. Moi, c'est que si il me demande vraiment, vraiment. Bon, vas-y, Timmy, on va le mettre Gucci parce que le pauvre, il est en train de crever, le pauvre. Marie-Jeanne, tu vas... Vas-y. Salam, Marie-Jeanne. Va dehors. Tout le monde va avoir peur de toi, on va te donner à manger. Ça a envoyé Marie-Jeanne au charbon. Elle va bosser, ma gueule. Marie-Jeanne est sortie, pourvu qu'elle revienne vite. Oui, bon, après, c'est pas une grande perte non plus. S'il y a une chose que la fin du monde nous a apprise, c'est qu'il faut s'habituer à être déçu. T'as capté? Gamberge. T'as fini le jeu il y a 7 mois déjà. Et alors, on veut voir si je me suis amélioré. Oh! Attends, c'est en train de repousser le dégradé là. D'habitude, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous a ramené? Des cartes? Carte. Oh! Oh, mais elle a. Wesh, c'est devenu Tasmanie ou quoi? Elle sait plus parler. Vas-y, elle, on va la régaler parce que Tasmanie, il faut lui donner à manger. Attends, qui c'est qu'on va faire partir en mission? Moi, je vous dis, on va renvoyer Marie-Jeanne en mission. On va la faire bosser. Eh, mais on tanque de baiser hein, depuis tout à l'heure. Hein. Marie-Jeanne, elle est exploitée. Mais ma gueule, t'as vu les bras qu'elle a? T'as vu les bras va, ma gueule? Oh! Ça toque à la porte? C'est qui? On dirait que Ted a mis un pied dans la tombe, faut qu'il boive rapidement. Ok, vas-y, bah là tu me prends par les sentiments, y'a pas de soucis. Dolores va pas tenir longtemps sans eau. Ils voient que j'accepte pour un, il y en a un qui non, un qui demande, un autre qui demande. Ça commence à faire beaucoup là. On a entendu des bruits bizarres comme un cheval galop. On a ouvert la porte, on a vu deux hommes habillés comme au Moyen-Âge. Oula, ils sont tombés sur Astérion ou quoi? On a vu tout de suite, on a compris d'où le bruit venait. L'un d'entre eux tenait deux pierres qui l'entrechoquaient sans relâche et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils ont dit qu'ils étaient à recherche d'une vieille coupe et qu'ils s'étaient perdus. Ils veulent utiliser notre carte et disent que c'est la chose qui vous intéresse. Bah les frérots, vous allez juste finir votre hallucination ailleurs, hein? Voilà. Et je pense qu'on va, on va revenir à notre vie. Nous, on est en galère, on a du mal à respirer, on a plus d'eau. Jimmy, il a besoin d'un barbeur. On n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, ces messieurs l'ont mal pris, ils sont partis en courant en traitant nos ancêtres de rongeurs puants et les fruits de la forêt, ce qu'ils sont grossiers. Mais c'est... on est vraiment tombé sur Astérion là. Qu'est-ce qui se passe? Timmy, il a un afro. Les gars, j'espère que Dolores elle sait faire des tresses. Hein. Ça lui irait trop bien, ça, des tresses plaquées à la Sean Paul. Oula, Dolores commence à être fatiguée là. Qu'est-ce qui brille dans ta poche, Timmy? Oh non, des fourmis mutantes? Dolores a failli faire une crise cardiaque à la vue de leurs terrifiants petites mandibules. Dolores veut s'en débarrasser, mais Timmy dit qu'elles sont le début de sa colle. Mais qui... Allez, seul l'un d'entre eux pour obtenir satisfaction. Mais lequel? Mais Timmy, mais t'es un baiser ou quoi? Mais oh, écoute ta daronne, Timmy. 24e jour. Vous avez vu ceux qui ont pensé que j'allais... T'as vu? Voilà. À contre-cœur, Timmy a accepté de se débarrasser de ses insectes, mais une fois sorti de sa poche, ils sont devenus hostiles. L'un d'entre eux a même mordu son doigt. Mais c'est abusé, on se fait sucer par tout le monde sauf des meufs. C'est abusé, frère. Gardons nos distances au cas où Timmy décide de muter. Ça l'a mis dans le coin de la pièce comme ça, ça a peur de lui. Ce matin, on a été surpris de trouver une lettre anonyme sur notre palier. Elle tenait l'heure et l'adresse du rendez-vous et nous demandait d'envoyer une personne non armée. Bon bah, ça va envoyer les deux gosses, hein. Ça sert à ça les gosses. Ça sert pas à ça. Allez, Timmy, t'as capté? J'espère que l'afro, Valderrama sur fut 15, il va marcher. Oh, moi elle m'a fait... Nachetan, elle m'a fait peur. À chaque fois, elle va chez le barbeur ou quoi? Ça laisse pousser. Elle nous a ramené un pot de soupe. C'est bien, ça va la caresser comme ça. C'est bien, Dolores. La petite Uber Eats, on a envoyé le livreur Uber Eats. Elle est partie, elle nous a régalé. Oh, Marie-Jeanne, elle nous a régalé. On va lui mettre bien une bouteille d'eau. On va, oh, un carré VIP ce soir pour Marie-Jeanne. Timmy a vraiment besoin de manger. Bon, on va lui donner à manger à Marie-Jeanne et à Ted et à Timmy. Comme ça, l'autre, elle est vraiment bien. Par contre, Marie-Jeanne, c'est... Là, on va te donner à boire et à manger avant de partir. Marie-Jeanne, t'as intérêt à nous cook une masterclass. Tu nous cook une masterclass, s'il te plaît. Allez, salam. Dolores, tu vas pas tenir longtemps sans eau. Oh, c'est bon, on t'a donné de l'eau. Ted a faim, il est encore fatigué, toujours la même chose. Timmy est encore souffrant. Bah, de ce que je sais, bon, tout se passe bien. Ah, on a passé de belles vacances au lac d'été. C'est fini tout ça. On va tous crever maintenant. Arrête de penser au passé. Non! Dolores, tu vas pas tenir longtemps sans eau. Oh, c'est bon, on t'a donné de l'eau. Oh, je pensais que ça le faisait! Ah ça y est, tu as le consommé aussi ma gueule. Oh, recrache tout ce qu'on t'a donné. Recrache tout ce qu'on t'a donné. Bah, salam Dolores. Salam. Marie-Jeanne, elle a raté la nouvelle. Elle va être choquée qu'elle va rentrer, Marie-Jeanne. Oh, il échange de l'eau contre un damier. Ou une soupe contre... Attends, il me reste quoi là? Ah, il me faut de la soupe là. Ça, je vais échanger, hein. J'échange ça contre les soupes, hein. Il m'en faut une. Oh. Oh, la tête qu'elle a. Attends, mais elle ressemble vraiment à son daron, vraiment, là. Elle a des airs de fou. Oh, elle nous a ramené une mallette, Tasmanie, là.
Oh, la masterclass! Oh, mais c'est trop! Elle est tellement à son prime! Oh, des GG pour Marie-Jeanne dans le chat! Elle est tellement forte! Wesh, elle nous met bien! Timmy affamé, on s'en bat les couilles. Oh, on va mettre Gucci Marie-Jeanne. On va te mettre bien! Et on va te renvoyer au charbon! Vous savez que elle est tellement masterclass, Marie-Jeanne, parce qu'elle a mangé 2 repas depuis le début et ça la renvoie en mission à chaque fois. Marie-Jeanne, tu connais, hein, tu connais déjà ta mission, hein. Selem, elle est solide, elle est fou! On a vraiment eu de la chance de drop Hulk comme ça. On n'a jamais été de gros mangeurs de champignons, mais depuis qu'il pousse sur les murs, nous avons changé d'avis. On en arrive la vie, devrions-nous en manger? Oui, bah oui. Allez. Calmez-vous. Timmy a vraiment besoin de manger. Oh non, Timmy, il peut tenir. Vous inquiétez pas. Les gars, Timmy, il va tenir. Jour 38! J'ai tellement confiance en ce Timmy. Il est bon, le gamin, il est bon. Nico, si Ted meurt, il t'a perdu. Oh! L'architecte qui a conçu cet endroit était un génie, mais pas sûr que cette substance verte qui coule des tuyaux faisait partie de ses plans. On devrait essayer de faire quelque chose pour y remédier. Ah, j'ai peur que je mette la valise et qu'il la casse. Vas-y, nique sa mère, je tente. Nique sa mère! Oh! C'est quoi ce bruit? Yes! Oh! J'espère que tu nous as régalé, Tantine. Non, ils ont baisé la valise! Plus de dos. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous régale? Oh! Wesh, on a une gourde du brave! Oh! Qui c'est qui va repartir en expédition? Vous la connaissez, la personne qui va repartir en expédition? C'est Marie-Jeanne! Marie-Jeanne, t'as capté. Tu connais ta mission. Allez, Salem. Timmy est assis, le regard perdu. Aurait-il le cafard? Il serait bon d'aller lui parler. Ouais, vas-y, va lui parler. Quelques mots ont redonné des sourires à Timmy. Il a l'air d'aller mieux. Nous qui pensions passer une journée tranquille, on n'avait pas tort. Des pillards. Hop, on va fermer. On va fermer pour les pillards. Quoi? Non! Je pensais que j'avais gagné. Vas-y, frère, tout ça pour ça! Bon, je tente une dernière partie, les mecs. Dernière partie, on va tout envoyer. Elle est pour moi! En tsar bomba minimum, faut qu'on prouve on est qui. Allez, déjà, je vais prendre le masque à gaz direct. Il est trop important, le masque à gaz. Hop, masque à gaz. Ça, la radio, c'est trop important. Ok, la hache, c'est important. De l'eau. On va prendre Marie-Jeanne parce qu'elle a tellement fait une masterclass. Allez, les autres enfants. Ma femme et de la soupe. Oh. Allez, Timmy, j'arrive! La vie de ma mère, j'arrive. Ok, je vais dans la cuisine. Je peux prendre une dernière chose. Le gun. Ah! Yes! Oh, j'ai fait une masterclass! La vie de ma mère, c'est la partie de l'année! Oh, j'ai fait une masterclass! Regarde tout ce que j'ai, ma gueule, je suis tellement bien! On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. Pour l'instant, tout le monde va bien. Ok. Premier jour, on les fait tirer. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint, enfin, moins que d'habitude. Marie-Jeanne est en sécurité, pff, on s'en bat les couilles de ce qu'il raconte, en vrai de vrai. Jour 2. Oh, je speedrun la game. Wesh, mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. Wesh, qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ted a vraiment besoin de s'hydrater. Vas-y, on va envoyer Marie-Jeanne. Elle fait tellement le taf. Mais on va l'envoyer ça. On va l'envoyer avec le masque à gaz. On est en train de discuter des options de repas n'incluant ni soupe ni tomate quand on a entendu des cris à l'extérieur. Il provenait d'un petit groupe de survivants qui était dans sale état. Pas étonnant. Frérot, prenez... Attends, on a quoi en trop là? Ou de la soupe? On va leur donner de la soupe. Ils peuvent tenir. T'as donné l'eau, t'es trop bête. Non. Oh, rends la bouteille d'eau. Rends l'eau. On dirait que des araignées ont été élues chez nous. Elles se sont installées comme si de rien n'était. Elles n'ont peur de rien ni de personne. Bah, je suis désolé, mais je peux pas vous aider, hein, madame. Bon, on continue la game. C'est pas grave. Dolores n'a plus soif. Timmy n'a plus soif. Timmy est affamé. On va donner à manger à Timmy tranquillement. On passe à autre chose. Depuis notre arrivée à l'abri anti-atomique, on se demande pourquoi il y a une autre porte. Ouais, on s'en bat les couilles. Ça sent bien la loose. Ok, oui. Parfois, ne vaut pas tout savoir. Des fois, oui, il a raison. Ah, elle est revenue. Non, le masque! Putain! J'espère qu'elle a ramené. Oh, elle a ramené de l'eau et une balette. C'est bon, j'ai rien dit. Oh, et des dames. Vas-y, Timmy, tu vas partir en expédition. Et avec toi, il te faudra une mallette. Comme ça, tu reviens équipé, ma gueule. Vas-y, tiens. Tiens, poulet! Merde, il est pas parti sans masque. Oh, il va revenir, il sera tout moche. Un homme est passé aujourd'hui. Il nous a proposé de jouer notre stock de nourriture aux cartes. Ah, je suis désolé, moi, c'est haram de jouer aux cartes. Je suis désolé. Elle est où? Attends, elle est partie où là? Quand Marie-Jeanne a appris qu'elle aurait encore rien à boire aujourd'hui, elle était prise d'un excès de fureur, elle est sortie à l'abri en hurlant qu'elle allait le regretter. Quoi? Et qu'elle allait trouver d'autres. Reviens! Oh, je suis coquette, elle est fou. Je suis mort.
On est en train de les perdre un par un au bout de 2 semaines. Dolores, vas-y, bah, vu qu'il reste plus que toi, tu vas te régaler. Hé, Dolores, bon appétit, hein. Quel vacarme. Et nous qui pensions avoir la paix ici, quelque chose fait du bruit depuis l'aube et nous empêche de dormir. On dirait que ça vient du dessous. Vas-y, vas-y, prends la hache. Oh, t'as pas intérêt à la péter, hein. T'as pas intérêt à la péter, hein. Elle a pas cassé, c'est bon. Oh, un magic kit. Donne-le. Tiens, prends. Pour Ted, prends-le. Ah, c'est trop tard. Solo versus quoi, Dolores? Les gars, en vrai de vrai, on commence à bien s'en sortir. Certes, on a perdu 2 personnes. On a perdu la squad. Mais on peut toujours faire top 1 même si on perd 2 personnes. Hein. Oh, il revient, Timmy. Oula, il est pas bien. Oh, oh là là, comme il nous a rechargé, Timmy. Timmy the GOAT. Timmy est tombé malade. Et, oh, Timmy, prends. Mets-toi bien le sang. Yes, Timmy va mieux. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Bah tiens, elle part avec quoi? Vous savez quoi? Elle va partir avec le gun. On l'envoie avec le gun, Dolores. Allez, oh, choque-nous, Dolores. L'autre jour, on a entendu quelqu'un frapper à la porte en l'ouvrant. On a trouvé une valise sur le seuil. Il n'y avait personne à l'horizon. Ouais, on l'ouvre. On est en galère, ma gueule. Timmy qui va commencer à baver dessus. Cadeau. Y a quoi dedans? Oh, de la soupe. On nous a régalé. C'est bien ça. Un marchand à l'apparence louche portant un sac. Bon. En vrai, il nous reste quoi comme soupe, là? Bon, vu qu'on est plus que 2, on va faire confiance à ce marchand. Mais si il nous baise, on verra bien. J'ai envie de lui faire confiance. On a un chat? On a échangé de la soupe contre un chat, c'est la même chose, on va le manger. Si Charikov se sent maintenant comme chez lui, à l'abri, on devrait tenter de s'entendre avec lui. On pourrait essayer de le porter, de le caresser. Oula, non, on va pas s'amuser à le toucher, parce que elle commence à nous mettre des coups de griffe. Oh! Oula, qu'est-ce qu'elle a, la daronne? Elle est fatiguée, non? Oh! Y'a un livre et une lampe torche! Oh putain, elle a baisé le gun par contre. Bon, vas-y, on va donner à manger et à boire à tout le monde là. Oh! Le manuel de scout, il est important le manuel de scout ou pas? Compte de l'eau? Ah, il est important, il n'est pas important. En fait, je sais pas. Je peux pas vous faire confiance. Vas-y, la lampe torche compte 4 eaux, je m'en bats les couilles. Ah, pourquoi j'ai que 1 eau? Mais c'était pas 4 eaux normalement? C'est une blague! Vas-y, la lampe torche compte 4 eaux, je m'en bats les couilles. Mais la vie de ma mère, ça se calme! Oh, je suis trop con. C'était juste la 4e proposition, pas de l'eau. Oh putain, jamais tenir! Oh, ça toque. Oh, putain, y'a plus de... y a plus à manger. Regardez ce qui reste. Je suis tellement cookhead. Je vais leur donner à manger, à boire. Hein. C'est la dernière fois qu'ils pourront en profiter. Lorsqu'une brique est tombée du mur révélant une niche cachée, l'odeur infâme s'en dégageait. On devrait sûrement inspecter. Allez-y, hein, de toute façon, il vous reste plus grand-chose à vivre. Ah, mais Timmy, il peut partir en expédition. Oh, on va lui envoyer le truc de scout et on va la laisser partir. On va tout tenter avec Timmy. Oh, wesh. Se passe quoi? C'est quoi ça? Ah, j'ai perdu tout le monde! J'ai perdu tout le monde! Non! Tout le monde est mort! J'ai réussi à tuer toute la famille! Il n'y en a pas un, il est resté en vie! 2, machin, tout le monde est mort! C'est pas grave, je me vengerai une prochaine fois, les mecs! Mais en tout cas, les mecs, j'espère que vous avez kiffé le stream, que vous êtes régalés. Moi, je vous fais des gros bisous. Bisous, les mecs, je vous embrasse!